fait juste. Juste 2 km. Challenge. Doro, tu ne peux pas réaliser. Le challenge est très fort. Le challenge est très fort là. Le challenge est très fort. C'est très fort. Il n'y a pas match. Vous avez déjà vu quand quelqu'un dit que il n'y a pas match. C'est le courage de le dire. C'est le courage. Quand quelqu'un dit que Doro Coco, qu'il n'y a pas match. Croyez-moi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a zéro en face. Il n'y a que Calice Béala qui peut faire les nappes ici et montrer comme ça. On va travailler le bas du dos. Hein. Voilà. Travaille le bas du dos. Le bas du dos de ça. Voilà. Challenge cheveux. Parce qu'il n'y a pas magie dans les cheveux, c'est l'entretien. Challenge cheveux. Challenge tête. Oui. Un gars qui n'a pas fait le waka. Que tous les jours, chaque temps que. Ça rase, c'est un entretien. Voilà. Ça, la beauté en fait. La beauté, c'est ça. C'est une très belle femme. C'est ça le problème. Je suis une très très belle femme. Je vous dis la vérité. Une femme au bout de 20 ans que son mari lui dit toujours, j'ai eu beaucoup de chance de t'avoir. Oh là là, je suis une très très belle femme. Parce que quand je dresse une table, quand je fais un buffet d'entrée, je fais 3-4 menus, 3-4 desserts. C'est même pas les conneries, hein. Et quand j'ai dit qu'elle met la bise sur moi,
du tissu jusqu'au couturier et jusqu'à la morphologie. Tout est pris en compte. Nadon Yami, il n'y a pas challenge, c'est impossible. Une femme qui se lave comme ça là, elle met son sous-vêtement, son ensemble, elle se mire. Oh, Seigneur, est-ce qu'on me quitte? On ne me quitte pas. C'est dommage que nous on ne peut pas présenter les capots sur Facebook. C'est dommage. On ne peut pas présenter les capots sur Facebook. C'est très belle. Très, 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 très belle. Une femme qui n'a pas de problème de dos, qui ne compte pas ce qu'elle dépense, pas de problème de dos. Oh là là, on va encore un peu courir, hein. On va encore un peu courir. En vitesse de 7. Mal de corps. En été, comme je serai en Europe, je vais vous donner les cours d'habillement. Et j'en ai marre de voir des gens qui portent n'importe quoi. Les cours, je dis bien à la diaspora, hein, qui a les papiers. Voilà. Je vais vous donner les cours. Ok? J'en ai marre de voir n'importe quoi sur la toile. Je vais donner les cours, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Trop de n'importe quoi. Ouh là là. Je vais dire que c'est la classe. Bonjour, Méon. Challenge de ça. Challenge de ça, oh, challenge de ça. Challenge. Tac. Bonjour Lily de la cour, de la tour. Bonjour. On est en challenge, tu sais, princesse. Parce qu'il faut qu'on dégage Facebook de la vermine. Facebook doit être le mérite. Ça veut dire que ma cible, c'est la diaspora. Celle qui est en règle, c'est-à-dire partie de la résidence à la nationalité. On ne va pas nous interdire de valoriser nos efforts quand même, non? J'en ai rien à foutre des gens qui sont... au Cameroun, ici, ça, non. Je ne suis pas sur la toile pour les gens du Cameroun. Je suis sur la toile pour la diaspora.
la diaspora consciente. Voilà. La diaspora consciente. Je ne dirais même pas positive, mais consciente. Parce que moi, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un s'il est positif. Je dis bien diaspora consciente. Ça veut dire la diaspora qui a les papiers. Voilà. Il y a les vrais papiers. C'est le challenge. C'est ça qu'il s'agit. Donc je vais donner des cours d'habillement à partir de la morphologie. Et vous allez comprendre que vous ne serez plus complexé par votre gros ventre, par vos grosses fesses, par vos grosses hanches, vos grosses cuisses. En attendant que vous me fassiez dégraisser ça, il faut bien que vous sachiez quoi mettre quand même. Hein? C'est ça que je dois vous apporter sur la toile, parce que c'est pas parce qu'on est noir qu'on ne doit pas s'habiller bien. Hein? Voilà. On est noir, on doit bien s'habiller. Pas possible. Vous habillez très mal. Au niveau du textile, vous qui devez porter les imprimés, je vais vous dire qui a le droit de porter les imprimés, qui a le droit de ne porter que des tissus à couleur unique, couleur unie, et qui peut oser le fleuri. Voilà. Les habits, c'est pas que tout le monde doit porter n'importe quoi. Hein? Non? Et les couleurs aussi. Et les couleurs aussi. Vraiment, le concept que je prépare pour l'été, je ferai des shopping avec vous. Je ferai du shopping avec vous. C'est tout. En été, ça sera chaud. C'est ça le problème. Et vous allez voir comment les grosses, les minces, les digoulinées auront leur place dans ma société. Je dis bien, je m'adresse à la diaspora. Si tu n'as jamais pris l'avion, quitte sur mon mur. Si tu ne connais pas l'hiver, l'été, dégage de là où est Madame Chapu. Et ça ne chauffe pas. Et je dis et je réitère. Voilà. Pas les gens qui ont encore les problèmes de beignets haricots sur mon mur, non. Désolé, je ne suis pas sur la toile pour vous. Voilà. Voilà. Écoutez, on a fait nos 3 km ce matin, 3 km 200 déjà. J'ai tellement de choses à faire que je vais arrêter. Voilà. On a fait nos 3 km. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Fait 3 km 200. J'ai fait 230 calories et 36 en 36 minutes. Voilà. En 36 minutes. Compris. Ok. On a arrêté. Dis-moi si mon... Je ne sais pas si mon dos est mouillé. Mon dos est mouillé. Voilà. Mon souci à tout avaler. Le challenge de ça. Ça. Oh là là. Ouh. Qui est fan de moi là? Qui est-ce qui est fan de moi? Qu'est-ce qui est fan? Madame Chapu aspire que des belles choses.
Voilà. Eh oui. La femme classe, la femme civilisée. La femme dont l'orphelinat n'a fait que du bien. Eh oui. Vous savez, parfois, quand on est orphelin, ça nous fait plutôt du mal. Hein. Oh là 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 là. La femme dont l'orphelinat n'a fait que du bien. Oh. Et du bien. Oh. Et du bien. Oh. Et du bien. Oh. L'orphelinat n'a fait que du bien. Oh. Eh, du bien, hein? Eh, du bien, hein? Ouh là 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 là. Oui, 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 que ça. Que la marche. Que la marche. Je fais pas autre chose. Je fais que la marche. Parce que la marche me fait du bien de la tête jusqu'aux orteils. Je fais que ça, que ça, que ça. Je fais pas autre chose. J'ai accès à tout, j'ai accès à tout, j'ai accès à toutes les machines, tout ça, non. Que la marche. Que la marche. C'est tout ce qui me fait faire du bien. Je m'affine de la tête aux pieds. Je suis bien de la tête aux pieds, en fait. Voilà. Et j'entre dans ma Mercedes ML formatique américaine qui va à 340 km de l'heure à l'heure. C'est ça qu'il s'agit. Donc oui, la musculation est bien. La musculation est bien. Je vais commencer un peu avec mes personnalisés comme je vous ai déjà dit. Secondes du président de la République pendant des années à 1 minute 20 secondes de l'ambassade des États-Unis. Challenge. Depuis le 237, le pays de Papo, la baie de la République. Jamais égalé. Ash. 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 Challenge. Na 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 na. Aïe. Hé hé, le toit ouvert. Challenge. Challenge. Amour mieux. Amour mieux. Amour mieux. Elle est rentrée, elle est allée au parking de Charles de Gaulle, elle a pris sa voiture. Maman, paye le parking de ça.
Azamba. Petit challenge. Mon fils n'est pas fils à papa, oh. Sa mère est tout simplement fière de lui. Parce qu'il y en a, on amène en Europe, ils partent tomber dans le mbanga lomfou. Ils deviennent, comme on les voit, demander les 500 francs. Je suis maman fière. Et je suis fière de mon fils et je le protège. C'est ça qu'il s'agit. Aimez vos enfants vivants. Aimez vos enfants vivants. C'est pas un fils à papa. C'est un fils qui a tout simplement vu ses parents s'aimer. C'est un fils qui a connu de l'amour. Et qui a connu que le partage. Et vous n'allez pas le faire changer. Vous n'allez pas le faire changer. Hey, Bendeka. Les cœurs à toi, je n'ai pas de droit. Mais toi-même, tu sais que partout où je te rencontre, je te farote. Ma crémaillère, tu seras invité. C'est ça qui est ça. Depuis le 237, il y a un peu de brume. On doit être à 21 degrés. Il fait bien frais. C'est votre pays. À moins de 3 minutes du président de la République, s'il vous plaît. À moins de 3 minutes du président de la République. C'est ça qu'il s'agit. Attendez, oh. On va aller acheter les fruits là. Vous comprenez donc pourquoi j'ai dit que je ne veux pas. Je ne veux pas. Attendez. Pour que j'achète mes fruits. Vous comprenez. Voilà. Ah, pourquoi je ne veux pas les gens du Cameroun sur mon mur. Dominique, nous as-tu dit quoi? Non, je ne veux pas la chanson là. Même la manière que Paul valorise le Cameroun. Chacun doit valoriser ses choses. Hein? Si tu valorises pas ce que Dieu t'a donné, il va se fâcher. Il va se fâcher. Dieu va se fâcher. Valorise. Alors si vous n'avez pas... Si vous faites... Si vous faites que... Elle m'en fout. Elle peut insulter mon fils. Même si elle insulte, ça fait quoi? Est-ce que je dois me fâcher? Qu'un banque en ciment insulte mon enfant. Elle me fâche. Pourquoi elle insulte? C'est son problème. Hein? Est-ce que c'est mon problème qu'elle insulte? Ça fait quoi? Mais ça, c'est elle qui a pleuré ici que... C'est pas elle qui a pleuré ici que... Que je n'ai pas fait assez que ça protégeait. Bonjour, mon... Bonjour, le patriarche! Bonjour, le patriarche! C'est pas elle qui a pleuré ici que... Mon fils est arrivé et j'ai refusé qu'il rencontre... celle du Cameroun. C'est pas elle qui a pleuré. Une fille qui pleurait dans mon inbox. Que depuis qu'elle est arrivée au Cameroun, elle ne mange que le soya. Elle ne mange que le... Que les soya. Que je l'amène manger. Elle insulte mon fils. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Depuis quand une stérile peut insulter ton enfant, tu te fâches. Moi, elle ne peut pas me fâcher. Elle veut que je lui réponde. Je ne réponds pas au ventre en ciment. Quand ton ventre que
Dieu a fait que c'est le ciment. Je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Elle insulte mon fils, ça lui enlève les diplômes. Ça lui enlève sa beauté, son élégance, son éloquence, son éloquence. Non, on ne répond pas au ventre en ciment. Oui, ventre en ciment, on ne répond pas. Parce que quand tu as baissé à l'hôpital, tu respectes l'enfant de quelqu'un. Mais si c'est que tu as seulement dîné, lavé le sperme au cabinet. Le clash là, c'est trop facile. Non. Non. Non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas continuer à... Quelle insulte Loïc, je m'en fous. Elle insulte Loïc qu'elle a accouché une fille que Loïc va draguer. Hein? C'est pour qu'elle réponde. Elle répond pour ventre en ciment. À Boumakoute, même les folles accouchent. N'accouche pas, on voit comment tu élèves. Clash, on clash, on clash, tu vieillis. Le vent. Quatre baguettes, s'il te plaît. Hein? Mais tu sais que c'est le challenge. Je ne clash, je ne parle pas avec les gens qui n'ont pas les papiers en euros. Parle pas avec les trucs qui ont les papiers. Machin là. Non. Clash pas. Même si elle va elle même dire quoi sur Loïc. Elle va dire quoi? Elle va poster la part de Loïc Ambeng. Qu'il n'a même pas libéré. Elle a posté son appart. Et je vais poster sa fiche de salaire. Qu'elle n'aura jamais, jusqu'à ce qu'elle meure en bain, elle n'aura jamais ce salaire. Moi non plus, parce qu'elle n'est pas work en bain. Si elle arrive en bain, un blanc à work pour moi. C'est ça le vrai bilan de bain. Et le plan est fini. Je ne peux pas faire ça à ma maman. Donne-moi 3. Oui, donnez-moi 3 alors. L'histoire de monnaie au pays. Merde. Insulte. Tu as dit quoi à mon fils? Hein? Tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? Maman, tu vas dire quoi? Que tu insultes mon fils et je me fâche. Je me fâche pourquoi? Je me fâcherais si tu as eu un enfant que tu as. Hey, donc la maf était en direct dans sa bagnole. Hey, la maf était en direct oh, dans sa bagnole. Elle a pris au parking. Oh, ah. Avec le passeport dans le sac. Hein? Insulte comme tu veux, n'en ai rien à foutre. Indigne fils de sa mère. Mon patriarche, le problème c'est qu'il a, il a eu pitié d'une taliban, d'une bamileke. Il lui a donné les étoiles et c'est devenu comme s'il était amoureux d'elle. Merci. Comme s'il était amoureux d'elle. Quand le gars arrive ici, elle demandait déjà au gars de lui acheter les lunettes, de lui acheter les remèdes. Qu'elle a laissé les remèdes, les choses du pays, non. Maintenant, l'enfant a dit, qu'est-ce que je suis ton pater? Parce que l'enfant a appris que c'est le pater qui achète les remèdes. C'est le pater qui achète les lunettes quand tu n'as pas de moyens. L'enfant n'a pas appris qu'un gars que tu ne connais pas, tu dois lui demander les lunettes. Voilà, c'est tout ce qui amène la bagaille là. Et la créatrice de Bami Power vient l'encourager d'insulter mon fils, de m'insulter. Hmm? Qui ignore que c'est les gens de Kamto. Hein? Une fille que j'ai amenée manger, elle m'a dit que Guylaine, je te propose que si on me donne l'argent, je bang la basse. Hein? Vraiment. Et j'avais fait la confidence là à Flore. À tout le monde. Tu viens m'insulter, tu peux m'insulter, tu as quoi? Tu as quoi? Tu veux m'insulter, tu as quoi? Tu vas me clasher que tu as quoi? Hein? Hmm? Demande à Achille. Tu as quoi? Oh, il ne faut pas accepter les clashs dans le vide. Hein? Il faut clasher dans les trucs qui sont réels. Hein? Arrêtez de clasher dans le vide. Que tu es là comme ça, là, tu te lèves, bois, 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 bois. Dis que Mme Chapuis n'a rien. Dis qu'elle est à location à Bastos, à 2 minutes du président de la République. Hein? À 1 minute du ministre des Finances. Et à
à 1 minute 10 secondes de l'ambassade des États-Unis. Voilà mon adresse. Je n'ai jamais habité depuis que je suis allé en Beng. Là où moi, j'étais déposé, dans un truc meublé là-bas. Là où j'ai même failli être agressé. Ne me parle pas de conneries. Tu me dois 3 restaurants. Tu me remets ça. Heureusement que je n'ai même pas... Tu n'as même pas réfléchi que pourquoi Mme Chapin ne s'est pas filmée avec moi. Vraiment. Tu n'as pas réfléchi que pourquoi cette femme-ci m'a reçu à 3 endroits les plus huppés de Yaoundé, elle ne s'est pas filmée avec moi. Et la photo, va encore me clasher. Tu vas clasher ça avec quoi? Tu vas dire quoi? Que tu as le passeport français, que tu as les papiers. Non, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas le passeport, tu n'as pas la résidence en France. Tu n'as pas, tu n'as jamais eu une bague de mariage dans ta vie. Tu n'as pas de gosse. Tu n'as pas de gosse, tu n'as rien, tu n'as pas de permis. Tu n'as rien. Tu vas me clasher, tu vas me dire quoi? Moi, j'étais, on va faire la salade de fille à mon fils. Aimez vos enfants vivants. Je ne vais pas te dire ça parce que tu n'as pas mis bas. Voilà. Après, tu vas me clasher. Tu insultes mon fils. Ça nous fait quoi? Ça nous enlève nos dos. Non. Ça ne nous enlève pas nos dos. Mais elle a le camion. Bami Power. Bami Power. Heureusement que Stella Amougou est venue dire à Madame Moudiki qui tu es. Madame Moudiki grince encore les dents jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle ne savait pas que tu as créé Bami Power. Savait pas? Elle a le camion. Toute une vie. Toute une vie. Non. Vous allez là, vous cherchez les problèmes là où il n'y en a pas. Que clash, clash, clash. Va le clash.